Hello, bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour un Facebook Live sur la page du Journal du Golf. Et waouh, quel programme on a aujourd'hui. Pendant une heure, on a la chance, l'incroyable honneur d'être en compagnie d'un joueur de Ryder Cup, multiple vainqueur sur le Tour européen, de Belgium Bomber, Nicolas Kolsaert. Nicolas, comment vas-tu? Ça va, nickel, ouais, bien, toujours en Suisse, donc je m'occupe comme je peux, mais voilà, j'ai la chance d'être au grand air de la montagne dans cette période un petit peu difficile pour tout le monde, ouais. Ouais, on le disait juste avant d'être en live, je suis jaloux par le background que Nicolas a derrière lui. Là, derrière moi, je vais caler un. Je pense que je vais prendre un copier-coller, je vais faire un poster, je vais le mettre juste derrière pour que la prochaine Tu peux faire fois. un screenshot, ouais, tu fais un screenshot et puis tu peux tu C'est ce prends. que Si je. tu veux, je me Ouais, bouge c'est le ça, écran, voilà, tu peux parfait, faire bouge ton pas, voilà. truc. C'est nickel, top. Écoute, Nicolas, on va faire à travers ce live, si tu veux, on va revenir en arrière sur les moments les plus importants de ta carrière parce que waouh, c'est aujourd'hui, c'est. Nicolas Colsart, c'est tu as 37 ans, mais tu as un vécu, tu as presque 20 ans de carrière professionnelle. Derrière toi, je dirais, d'ailleurs, on est presque, non? On est presque, combien d'années, quelle année t'es passé professionnel? 2000, 2001? Ouais, c'est ma 20e, 20e saison. Maintenant, ouais, je suis passé pro à 18 ans. J'ai eu ma carte la première année en 2001. J'avais 18 ans. Donc, chose marrante, en fait, j'ai eu mes 18 ans au deuxième jour de reconnaissance. Enfin, 2 jours avant que ça commence. J'étais en tête au bout de 4 jours. Puis, je gagnais ma carte la première année. Donc, ouais, comme tu disais, il y a eu, on est un peu passé par des hauts et des bas. J'ai l'impression d'avoir vécu déjà plusieurs carrières. Et donc ça fait un peu partie du mythe, on va dire. Et les gens, quand ils entendent Nicolas, le nom Nicolas Colsaert, on associe tout de suite à la Ryder Cup, aux Jeux Olympiques, à plusieurs victoires sur le Tour européen. Et aujourd'hui, ça fait, je crois, ça fait 10 ans qu'il y a une certaine stabilité sur le circuit européen. Ça fait 10 ans que tu es tous les ans sur le circuit européen, il me semble, depuis 2010, 2011, si je ne me trompe pas. Exact, ouais. Depuis, en fait, j'ai joué une full saison de Challenge Tour en 2009, après avoir eu zéro catégorie nulle part 2007-2008, où je jouais un des tournois de l'Alps Tour, où à l'époque j'avais même eu des coups de main de Jean-Charles Cambon et tout ça pour venir jouer des tournois en France. Mais donc j'avais zéro carte, donc je jouais sur invite quelques tournois sur le Challenge Tour, full saison en 2009, et puis voilà, de retour sur le circuit et bien installé depuis 2010. Donc ça fait 10 années, 10 saisons de suite maintenant, ouais. 10 saisons de suite, c'est ça. Et on va revenir là-dessus. Et juste pour te dire, Nicolas, qu'on a déjà voilà, des personnes qui sont avec nous. Martha Piquet qui dit bonjour, tu as raison, Lewis. C'est un grand honneur et une vraie chance pour nous, les passionnés, d'avoir un joueur comme Nicolas Colsaert qui est là avec nous. On aura des questions auxquelles on va répondre. Une question de Frédéric Santier qui dit quelle est la victoire qui vous a le plus marqué. On va revenir sur tes victoires là-dessus. Mais tu sais, ce qui est important pour moi, Nicolas, c'était de parler évidemment du fait que. Voilà, 2010, ça fait 10 ans maintenant sur le circuit. Les gens, tout de suite, ils pensent à Nicolas Colsaert, ils se disent waouh, c'est un joueur qui a tant d'années d'expérience. Mais ce n'était pas un parcours le plus facile. Finalement, quand tu es passé pro, ça fait 20 ans, donc 2000. Mais entre la transition entre 2000 et 2010, tu as fait quelques allers-retours sur le circuit européen. Et je voudrais lire une question que j'ai reçue de la part d'un élève de mon académie qui est un joueur amateur qui veut passer professionnel, donc qui était un petit peu dans la situation où tu étais il y a 20 ans. Et il me pose la question suivante. Il me dit, bonjour Lewis, donc j'ai vu que tu étais avec Nicolas Colsaert aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais lui demander, du coup, si c'est possible, les points dans son jeu qu'il a fait évoluer dans les années 2010 qui lui ont permis de consolider enfin sa place sur le tour européen et de gagner dans la foulée. Je te remercie, Benjamin. La question était tellement bonne qu'il fallait que je la partage avec toi et toutes les personnes qui nous regardent. Alors la réponse est très simple. Voilà, moi j'ai toujours été un certain type de joueur de golf. Je pense pas que mon jeu ait énormément changé dans les années post-2010 d'avant. Le seul truc qui a vraiment fort changé, c'est une envie différente, une prise de conscience, une certaine maturité qui est arrivée un petit peu plus fin de ces années 2000. Voilà, moi j'étais sur le circuit depuis 2000, de mes 18 ans, donc jusqu'à mes, on va dire, 26, 27, fin des années 2000. Et voilà, je me rendais pas plus compte de ça que la chance que j'avais, de ce que dont j'étais capable. J'avais jamais vraiment trop mis les
les atouts de mon côté pour quelque part profiter de ce don et de ce talent et de cette chance que j'avais de pouvoir faire d'un métier ma passion. Un petit coup de pouce aussi de la part du père de Romain Béchu qui m'a emmené dans cette académie en Australie fin des années 2000 où tout d'un coup, en fait, moi j'ai toujours été le plus jeune dans tout ce que je faisais et là tout d'un coup je me suis retrouvé avec une bande de gamins qui avaient 5-10 ans en moins que moi et qui me regardait avec des yeux comme ça parce que j'avais un peu un semblant de CV à l'époque. Et donc voilà, je me suis rendu compte que j'allais plus être le plus jeune à faire ceci, le plus jeune à faire cela. Donc voilà, il y a une espèce de prise de conscience qui a été prise à ce moment-là. Et voilà, petites étapes, petites victoires après petites victoires, fait que je me suis retrouvé sur le Challenge Tour. Je me suis assez vite rendu compte que ça sentait bon. Et donc j'ai réussi à presser le citron jusqu'au bout et de terminer troisième de Challenge Tour. Et puis après, d'avoir fait ces années 2010 et après Ouais, c'est qu'on ça. a pu voir, quoi. Les années incroyables. Après, parce qu'après, ça s'accélère hyper vite. De 2010 ensuite à 2015, tu as un passage Ryder Cup. Bon, on va revenir là-dessus. Mais c'est vrai que, comme on le disait en off juste avant ce live, Nicolas, le succès n'arrive pas overnight, comme on dit en anglais. It's not an overnight success. C'est du travail, c'est du talent. Mais c'est beaucoup de travail que tu as mis de ton côté. Tu as mis toutes les chances par la suite. Et pour ensuite atteindre un niveau où maintenant, tu as une régularité depuis 10 ans. Tu as plusieurs victoires, cette participation à Ryder Cup, c'est absolument incroyable. Donc, tu as ce parcours qui est dû pas à overnight success, mais plutôt sur 10 ans de travail que tu as effectué, que tu as mis en place. Ouais, bon, je pense que c'est surtout aussi dû à la personnalité. On est tous différents. Voilà, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait en général assez brusquement, mais assez intensément. Donc, en retournant un peu en arrière comme ça, moi, je me rends compte que depuis 2010, où j'ai vraiment commencé à bosser différemment, à m'impliquer dans certaines choses différemment que je faisais à l'époque, on fait que ça a porté ses fruits assez vite et comme tu le disais c'est vrai que ça a été assez vite donc 2010 reprise de marque sur le circuit 2011 première victoire et puis une grosse perf face premier match play 2012 deuxième match play donc voilà ça a été et puis Ryder Cup 2012 voilà, je sais c'est vrai que ça a été assez vite et puis les States donc voilà il y a pas mal de trucs qui sont passés comme je disais assez brusquement en fait. Alors, il y a Patrick Colsart qui dit « Je suis là ». Patrick Colsart, Ça me c'est… dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ça me dit quelque Ça, chose. Et toi, quand est-ce que je rentre à la maison, quoi? c'est qui? C'est le papa? C'est le frère? Ouais, c'est moi, ouais, c'est mon papa, C'est le papa. C'est le papa qui est là. Okay, on passe le bonjour à Patrick Colsart qui est là. Et tu sais, c'est toujours là. La plus grande fierté, c'est toujours nos papas hein, qui sont toujours fiers de ses enfants. ouais, les Donc, deux, ma maman aussi, oh putain, ouais, ouais, les parents. c'est mes deux plus Ouais. grands fans et ils ont vécu ça de près et de loin. Ils ont supporté quand même pas mal d'années noires, donc un gros coup de chapeau à eux quand même parce que ils ont quand même plutôt pas mal dégusté avec leur petit Nicolas. Top, top. Alors, Nicolas, revenons justement sur cette Ryder Cup, parce que ça, c'est un moment, et en même temps, je rejoue les images de la Ryder Cup pour les personnes qui veulent revivre en quelque sorte ces images qui ont été proposées par le Journal du Golf, et je les remercie au passage de nous avoir envoyé ces vidéos. Mais c'est un moment marquant quand même, la Ryder Cup. C'est une sorte de concrétisation de toutes ces années de travail, mis à part les majeurs. Il y a des joueurs qui vont dire que la Ryder Cup, c'est un des plus grands moments de leur carrière, si ce n'est pas le plus grand, avec la victoire au majeur. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus, Nicolas? Bon, évidemment, c'est difficile pour moi de comparer à une victoire en majeur, parce qu'évidemment, j'en ai toujours été un petit peu loin, même si j'ai déjà fait un top 10 au British. Au Donc British, ouais. voilà, j'ai déjà pu un peu goûter à des gros gros tournois et à jouer les dernières parties de majeur. Mais pas oublier que j'étais en tête quand même Bien deux sûr. samedis de suite. Du US Open à San Francisco et à Marion, donc voilà, j'ai jacké et j'ai déjà été dans le voilà sur l'avant de la scène en majeur, mais bon, c'est vrai que la Ryder Cup est quelque chose qui moi m'a toujours fait quelque chose de différent depuis que je suis gamin. Moi, la première que j'ai vue, c'est Kiwa Island. Je me souviens, c'était dans le clubhouse du golf dans lequel je jouais quand j'étais gamin. Et dès les premières images, voilà, c'est un truc qui m'a parlé assez fort. Et c'est vrai qu'au point de vue
expérience humaine, de faire ça en équipe, de faire ça avec différentes nationalités, avec différentes personnalités, de jouer comme ça dans un but, une mission commune, fait que les sensations sont multipliées par 100 de ce qu'on peut faire tout seul avec son caddie dans n'importe quel autre tournoi, que ce soit un tournoi normal ou un tournoi majeur, quoi. Alors, tu entames cette Ryder Cup avec une victoire. Je sais plus si c'est le premier jour ou le deuxième jour, mais tu es en double et tu marques un point tout de suite pour la Team Europe. Quand tu marques ton premier point, Nicolas, pour la Team Europe à la Ryder Cup, c'est des émotions qui sont difficiles à décrire. Mais qu'est-ce qui se passe après ce match dans les coulisses, avec la famille, avec les proches? Est-ce que tu peux revenir sur ces sensations? Alors, quand on marque ce point, donc la première après-midi, le vendredi, en fait, tu es porté par la taille de l'événement. Donc moi, je me rends pas tout de suite compte à quel point cette partie est importante. Elle aura marqué les esprits comme encore la majorité des gens viennent chez moi et m'en parlent encore maintenant, presque 8 ans après. Donc maintenant, j'ai quelque part un petit peu de regret de pas en avoir profité et exulté autant que je le ferais maintenant quand je vois la réaction, que ce soit du public en général ou que ce soit de mes partenaires d'équipe à ce moment-là. Mais quand je reviens dans la team room le soir à l'hôtel, donc après, donc là, on est à mon avis 2 heures, 2 heures et demie après le dernier pas du 18. Je suis en train de me servir à bouffer dans la team room. Il y a l'O'Donnell qui vient chez moi et qui me regarde et me dit alors, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Voilà, J'adore, ça j'adore. c'est des trucs qui marquent, quoi. D'avoir Westwood à la conférence de presse qui dit qu'on sait jamais trop comment est-ce qu'un rookie va réussir à gérer une première journée de Ryder Cup, et avec un sourire en coin qui dit je trouve qu'il s'est plutôt débrouillé pas mal. Donc évidemment, ça reste des souvenirs vraiment super super chouettes, quoi. Ouais, le premier Belge à participer à hein, cette Ryder Cup. Donc tu rentres dans l'histoire du golf belge aussi en étant le tout premier Belge à jouer cette Ryder Cup. Et dis-moi, cette Ryder Cup, elle était historique aussi parce qu'il y a cette fameuse remontée de la Team Europe à Medinah en 2012, alors que les Américains étaient portés favoris. Le dernier jour, c'est bon, même si le match il va pas en ta faveur le dernier jour. Mais est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du samedi soir? Le soir d'avant, de tout ce qui s'est passé le dimanche, les émotions que nous, on a pu vivre de l'extérieur en regardant ça, sur nos écrans, est-ce qu'il y a eu un déclenchement, un truc qui a fait que le dimanche, vous êtes parti, en mode warrior, quoi, en mode c'est bon, c'est pour nous, on y va. Parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. Oui, donc évidemment, le scénario du dimanche était complètement absurde avec cette remontada, évidemment. Mais voilà, ce qu'on sait pas trop dans les quand on fait pas partie et qu'on n'est pas vraiment on va dire dans l'hémicycle, vraiment de ce noyau confiné, pour pas faire de jeu de mots pour l'instant, de cette équipe de Ryder Cup quand t'es dans le vestiaire et tout. Mais voilà, ces 4-5 derniers trous de poulter le samedi après-midi ont évidemment joué énormément dans la balance momentum. Voilà, tout le monde s'est rendu compte que ça avait donné un peu d'espoir, même si évidemment la mission du dimanche était énorme à réaliser. Mais voilà, tout le monde se regardait quelque part un petit peu différemment en disant ok, bon, maintenant fini de rigoler et on va vraiment essayer d'aller accrocher ce truc, ou vraiment de les pousser le plus loin possible. Ça fait quand même X éditions que ces Américains courent un petit peu derrière. Donc si on arrive à les mettre dans les cordes, voilà, on n'est jamais trop sûr de ce qui peut se passer. Et le scénario de la fin, évidemment, avec des longs putts qui ont fait la différence, des quelques putts ratés des Américains le dimanche, qui étaient quelque part un peu l'inverse de ce qui s'était passé les premiers et deuxièmes jours. Voilà, nous, on a touché beaucoup de trous, on n'a pas mis énormément de trucs. Et ça s'était assez bien mis pour eux. Donc voilà, le fait que ça avait switché de côté a été suffisant pour
presque à un moment, enfin, aller prendre cette égalité, et puis avec ce fameux putt donné à la fin contre Molinari de Woods, qui fait qu'on gagne. Voilà, c'était déjà une victoire en soi d'avoir réussi à faire 14-14, mais alors 14,5, 13,5, c'était vraiment autre chose, quoi. C'est dingue, hein? C'est complètement Ouais, dingue. incroyable. J'adore entendre les histoires comme ça dans les coulisses de ce qui, tu vois, le point de vue du joueur, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Parce que nous, on le vit d'une façon à l'extérieur, hein. Donc moi, en tant que coach de golf, les amateurs qui regardent, mais de vivre ça de l'intérieur, c'est une expérience qui est absolument phénoménale. J'en profite pour passer le bonjour à Vincent qui est là, qui est ton agent, il me semble, Vincent Boremans. On va croire qu'il n'y a que Ouais, des gens de ma c'est famille. ça, c'est Quelqu'un ça. de Mais j'en quoi? profite pour lui dire un grand merci parce que c'est aussi grâce à lui que cette semaine, on a une super semaine belge avec toi, Nicolas, qui est là aujourd'hui. Puis on a Thomas Détry qui sera là jeudi, qui est un grand espoir belge qui fait des super résultats sur le circuit européen. Récemment, je l'ai vu à l'île Maurice, à la Freja Bank, où il était pas loin de gagner ce tournoi. Exact, ouais. Donc du coup, voilà, vous avez des joueurs, Thomas Peters, enfin voilà, vous avez des joueurs absolument phénoménales. Et donc cette semaine, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous sur la page du Journal du Golf. Donc un grand merci, Vincent. Une toute petite dernière question, Nicolas, sur l'aspect Ryder Cup, parce que donc quand vous gagnez la Ryder Cup, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que derrière, la semaine d'après, est-ce que tu surfes sur la victoire de cette Ryder Cup et t'es un peu porté là-dessus pour toute la saison? Ou est-ce qu'au contraire, c'est tellement d'adrénaline, d'émotion, c'est tellement d'émotion pendant une semaine d'intensité que derrière, il y a une sorte de gros boom et ensuite, ça te prend quelques semaines pour te refocaliser sur les tournois que tu dois effectuer. Donc, Alors les quelques jours qui ont suivi, j'arrivais pas à dormir. Donc je dormais 2 heures, 2 heures et demie par nuit, je me réveillais et impossible de me redormir. J'étais encore sous le fait de l'adrénaline. tu te réveillais Faut genre savoir que quand tu... Ah oui, Europe, non, Europe. impossible de me rendormir. Donc, Ouais. mais bon, à partir du moment où le dimanche où le truc se termine, jusqu'au moment où moi je suis arrivé dans l'avion le lendemain matin, j'avais un verre en main, t'embrasses tout le monde, tu rigoles comme une baleine, tu surfes encore vraiment sur cette vague d'euphorie. Et alors chose marrante, donc direction Londres directement. Donc la majorité de ces mecs évidemment habitent aux États-Unis. Donc il y avait juste Westwood, Laurie et moi qui sont retournés à Londres avec l'avion de la délégation. Et Westwood était encore complètement dans le gaz, donc impossible de l'amener à la conférence de presse officielle en live sur Sky. Paul Lawrie s'est échappé par une porte, je sais pas où. Donc je me suis retrouvé à faire la conférence de presse sur Sky en live Sky News avec Olazabal. J'ai plus de voix. J'ai plus de voix, donc j'ai une extinction de voix et je suis obligé de faire une conférence de presse en live sur Sky, donc qui est broadcastée dans le monde entier. Donc c'était assez drôle, quoi. Et puis les semaines d'après. Voilà, chaque fois que tu croises quelqu'un qui faisait partie de l'aventure, quelqu'un de l'équipe ou machin, t'as un sourire jusque derrière les oreilles. Donc ça dure des semaines, si pas des mois, et même encore maintenant, quand parfois on croise des types, voilà, dès que tu regardes dès qu'on se regarde dans les yeux, on sait directement quel est le premier truc qui vient à l'esprit, Il quoi. y a un lien à vie hein, avec les joueurs avec qui tu as vécu cette expérience hors du commun. Il y a un lien qui se crée. Et tu sais, c'est quand j'ai vécu la Ryder Cup 2018 au Golf National, pas à l'intérieur des cordes comme l'équipe, mais on a l'occasion de rentrer un petit peu dans les vestiaires. On voit ce qui se passe, comment la Team Europe a préparé les vestiaires et tout ce qu'elle a fait dans les coulisses par rapport aux Américains. On voit que la Team Europe met vachement en avant le côté friendship, amical, la famille. On voit les photos des joueurs avec leur famille qui sont collés sur tous les couloirs du côté de la Team Europe au Golf National. Et c'est là où on réalise que l'Europe, c'est vraiment, c'est finalement, il y a cette communauté d'amis qui se créent, il y a ces liens qui sont incroyables, qui se créent pour la vie. Est-ce que c'est la chose que tu as ressentie, toi, en tant que joueur? Bon, alors moi j'avais évidemment la chance d'avoir Olazabal comme capitaine, donc voilà, tu peux difficilement faire plus passionné point de vue rider avec évidemment l'histoire avec CV. Donc nous on avait un capitaine plutôt axé passion, cœur, feu.
Contrairement à des capitaines du genre McGinley ou Bjorn qui sont beaucoup plus dans l'organisation logistique. Et c'est vrai que au fur et à mesure des années, on voit que ces derniers capitaines se servent énormément des leçons à tirer du passé. Donc, je sais qu'à Gleneagles, ils avaient par exemple, en sortant du vestiaire, parce que je me suis retrouvé dans le vestiaire le dimanche soir, en fait, parce que je faisais de la radio pour BBC, donc évidemment, j'ai fait la fête avec eux le dimanche soir, évidemment, comme j'avais fait 2 ans avant. Mais en sortant du vestiaire, ils avaient un poster. Qui devait faire, je vais dire, 2 mètres de haut sur 1 mètre de large, avant la porte pour sortir du vestiaire, une photo du visage de Severiano je sais pas moi, 17 ou 18 ans, avec un regard noir, avec un texte en dessous, je me souviens plus exactement du texte, mais voilà, c'est des trucs. Voilà, je pense que quand tu sors, quand tu es joueur de foot et que tu vas jouer ton premier match à Liverpool et que tu es dans ce fameux tunnel avec marqué This is Anfield au-dessus, voilà, c'est rien que d'en parler maintenant, j'ai la chair de poule. C'est ça. Donc voilà, c'est des choses qui, enfin, c'est des détails qui jouent énormément dans la mise en place et dans la cuisson d'un esprit d'équipe et qui voilà, il y en a qui vont être plus sensibles à ce genre de choses ou pas, mais voilà, si tu as un minimum de feu en toi et de passion pour que ce soit pour ce sport et pour la Ryder Cup, quand tu sors du vestiaire et que tu as une photo de Severiano en face de toi ou avec son sac, je me souviens à National, il y avait son sac. Voilà, c'est des trucs qui marquent et tu te rends compte que tu joues pas pour toi, tu joues une équipe et puis tu joues pour une histoire de Ryder Cup, tu joues pour. Voilà, tous les 2 ans, tu n'as que 12 mecs comme toi qui représentent l'Europe. Donc voilà, c'est vraiment une signification énorme si tu as évidemment cette fibre en toi. Waouh, c'est incroyable. Merci, merci de partager tout ça avec nous, Nicolas. J'ai une Ah, mais question. je peux continuer, hein, Ouais, bah, y a pas de on souci. va, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai Martha Piquet qui pose une question là, qui est là, parce que du coup tu parles de Ballesteros, qui dit: quels sont les champions pour lesquels vous avez le plus d'admiration, golf, sinon tout sport confondu? Dans la période dans laquelle on vit maintenant, il est difficile évidemment de ne pas avoir un faible pour Roger Federer, voilà, un mec qui a 40 ans maintenant, réussit à rester encore dans ce top 4, dans ce top 4 mondial, à encore se balader, à repousser, voilà, cette fameuse date de raccrochage. Des types comme Valentino Rossi, moi j'ai toujours eu un faible énorme. D'ailleurs, on est allé pour la première fois voir le MotoGP l'année passée au Qatar. C'était de loin l'événement sportif ou le sport qui m'a le plus impressionné quand on voyait ces mecs qui sont en bout de ligne droite à 350 dans une bulle comme ça, avec au freinage une roue arrière qui se lève. Enfin, moi je trouvais ça complètement incroyable. J'ai eu la chance de jouer avec Michael Jordan aussi. J'étais membre du même club que lui à West Palm, aux Bears. Bon, entre-temps, maintenant, il a Waouh. construit son propre golf parce Ouais. qu'il en avait marre de devoir attendre derrière des parties de 4. Donc, il s'est dit qu'il allait construire tout simplement son propre golf à un quart d'heure de là. Voilà, ça m'a permis de côtoyer. Voilà, certains sportifs hors normes, voilà, d'avoir discuté déjà avec Philippe Gilbert, cycliste belge qui a été voilà, champion du monde, Eddy Merckx, d'avoir fait une étape du Tour du Qatar dans la voiture à suivre un contre-la-montre par équipe avec Eddy Merckx. Il n'y a pas moyen de faire mieux. Là, c'est comme si tu regardais un match de foot avec Zidane. Voilà, voilà, j'ai eu beaucoup de chance de par ce métier, cette passion pour le sport, d'avoir côtoyé des sportifs hors normes. Et quand tu côtoies ces personnes-là, donc Michael Jordan, tu partages une partie du coup 18 trous, 4 heures, tu es 4 heures avec Michael Jordan. Est-ce que, en dehors de l'amitié que tu crées avec ces personnes-là, est-ce que tu leur poses des questions sur comment est-ce qu'ils entreprennent pardon, certaines situations, tu vois, où ensuite tu t'es inspiré de cette conversation pour ensuite aider dans ton jeu à toi, par exemple? Bon, ça dépend comment tu rencontres ces gens. Voilà, là, Jordan, en l'occurrence, c'était la première fois que je passais vraiment du temps avec lui, même si on s'était déjà croisé, qu'on avait déjà parlé 5 minutes. Mais je me souviens avoir discuté avec lui sur le putting green du club où on était membre, et je lui ai demandé, tiens, comment s'est passée cette période où tu t'es mis au baseball, voilà, parce que je trouvais ça assez impressionnant pour un mec qui avait marqué déjà l'histoire de son sport, Il avait de tout gagné d'un coup trois tout fois le plaquer. titre NBA, trois Ouais, fois c'est titre ça, il en a fait NBA, puis là, trois. boum.
break et puis retrouve Ouais. encore après. Mais donc, et il me dit, tu sais quoi? Il me dit le truc que j'ai retiré en plus de ça, c'est que j'ai commencé à parler espagnol parce que tous les mecs qui étaient aux Chicago White Sox, évidemment, qu'ils soient cubains, dominicains et tout ça, Mexicain, ouais. voilà, lui, il a appris à jouer au basket à pas mal de ces mecs et en contrepartie, lui avait Espagnol. appris l'espagnol. Je trouvais ça assez marrant, quoi. Ok, cool. C'est super, super. Nicolas, maintenant, donc revenons aussi à un moment qui est assez important dans une carrière de golfeur qui finalement, cette opportunité s'est ouverte uniquement récemment avec les Jeux Olympiques. Le fait de pouvoir représenter son pays, donc la Belgique, sur l'événement sportif le plus regardé au monde, les Jeux Olympiques, ça arrive une fois tous les 4 ans. Mais c'est pas dans l'esprit des golfeurs depuis le plus jeune âge. C'est arrivé depuis récemment. Mais toi, du coup, tu vis les Jeux Olympiques avec en représentant la Belgique. Quelle fierté est-ce que ça j'ai envie de savoir quand t'es dans ce stade et que tu entends l'hymne national de la Belgique et que tu es là, que tu regardes à côté de toi où il y a tous les sports confondus qui sont là. Quelles émotions est-ce que ça procure, cette sensation-là? Alors, il y a plusieurs choses qui sont marquantes à ces Jeux Olympiques. Et en dehors de ça, moi, j'ai une relation un petit peu particulière parce que j'ai un arrière-grand-père que je n'ai jamais connu, mais j'ai connu sa femme qui était mon arrière-grand-mère, qui a vécu chez nous à la maison. Donc voilà, j'ai connu assez tôt, voilà, moult histoires sur les Jeux Olympiques. Il les a joués en basket, en water-polo. Donc, ma tante, avant d'aller à Rio, m'avait donné un pins qu'il avait arboré sur son costard à la cérémonie d'ouverture, je pense, soit de 1920 ou de 1936 aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai Wow. joué tous les Jeux Olympiques avec ce pins. D'ailleurs, j'ai mis ce pins à la cérémonie d'ouverture. Donc, quand tu débarques dans le stade de Maracana avec le pins de ton arrière-grand-père sur Wow. ton Wow. costard, tu vois, tu. Rappelle-nous quel Tu sport? t'as, C'est t'as, quel t'as, sport? water polo et basket. Water. Ouais, il a été chef de délégation d'un des deux sports, je sais plus exactement, mais voilà. En tout cas, il était même dans le stade olympique en 1936 quand Jesse Owens a gagné sa médaille olympique Incroyable. et Hitler a quitté le stade. Donc voilà, depuis tout petit, je suis peut-être regardé ces Jeux Olympiques d'un différent œil que la majorité des golfeurs, on va dire. Puis il y a le fan de sport, voilà, tout simplement. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à des sports quand on va à ces Jeux Olympiques d'une façon complètement différente, aller voir la compétition d'haltérophilie où les types lèvent ses barres les unes après les autres, c'était assez impressionnant. D'aller voir mes compatriotes de l'équipe de hockey sur gazon qui ont réussi à aller jusqu'en finale, malheureusement perdu contre l'Argentine, mais d'être dans le bus avec eux, de toi faire un sport individuel et de se retrouver dans le bus avec ce thème d'équipe qui a cette chance de jouer les Jeux Olympiques tous les 4 ans, d'être dans le bus avec eux après une victoire contre la Hollande qui est notre plus grand adversaire depuis tout le temps. Voilà, c'est des moments qui marquent. Et puis tu es dans ce village olympique, tu vois de tout. Tu vois un coureur kényan à côté d'un joueur de volleyball qui soit français, lituanien, la cérémonie d'ouverture, où tu vois la longueur de cette délégation américaine comparée à celle qui était à côté de nous, qui était le Bhoutan, où tu as trois pauvres mecs qui sont là en habit traditionnel. Tu as l'impression qu'ils avaient débarqué en yak. Donc c'est ce melting pot d'athlètes, de nations, de corpulences différentes. C'est des trucs, évidemment, quand tu vis ça à l'intérieur, c'est beaucoup plus que voilà, ton expérience à toi. Tu te rends vraiment compte que tu as une chance de vivre quelques semaines dans vraiment l'antre du sport au sens le plus traditionnel qui est. Ouais, donc le golf qui est un sport individuel, mais en quelque sorte, là, on est en train de parler des moments qui t'ont marqué le plus. Ça a été le golf à travers un esprit de compétition en équipe avec ces Jeux Olympiques. Bon, on peut parler aussi le championnat du monde, mais la Ryder Cup. Donc toutes ces émotions-là que tu as vécues en fait dans cet aspect de groupe et de pouvoir représenter ton pays. C'est absolument incroyable enfin, t'as participé pour moi aux deux Ryder Cup et Jeux Olympiques. C'est des choses
Et puis en plus, tu vois, je savais pas l'histoire de ton arrière-grand-père. Et le fait d'avoir cette pensée envers lui avec le PIMS, c'est que tu portes ça toute la semaine et c'est waouh, c'est que des émotions. Est-ce qu'il y a un sport en particulier qui t'a vraiment impressionné quand tu es parti regarder d'autres sports tout au long de ces Jeux Olympiques? Est-ce que tu as reçu de l'admiration en particulier ou tu t'es dit waouh, ça, tu vois, je ne le voyais pas comme ça avant et finalement, tu vois, c'est assez impressionnant? Mais pas nécessairement à Rio en fait. Je sais pas si c'est l'après Jeux Olympiques qui est, mais voilà, j'ai commencé un peu à regarder le biathlon. Voilà. Tu regardes le biathlon et je regarde ça tellement différemment que ce que je le faisais à l'époque. À l'époque, je trouvais ça chiant à mourir. Puis tout d'un coup, là maintenant, quand tu vois qu'il y a un poste debout avec du vent, avec de la neige qui tombe, et puis après, il y a le poste couché à une cible, je sais pas moi, ils sont à 30 ou 40, voilà, avec du vent. Enfin, et puis, tu n'as pas droit à une erreur. Tu fais une erreur, tu sais que tu n'as pas la médaille d'or. Enfin, c'est vraiment le sport ces quelques dernières années que je regarde vraiment différemment. Et en plus, vous avez un ambassadeur énorme qui est venu, Martin Fourcade, qui a raflé tout ce qui était possible et imaginable dans ces dernières années. Voilà, je parlais de l'haltérophilie tout à l'heure. Tu sais que ces types, voilà, s'ils lèvent pas la barre, c'est terminé, quoi. Ça fait 4 ans qu'ils s'entraînent pour lever une barre sur une estrade devant 200 personnes. Ils ont limite 5 minutes ou 10 minutes entre chaque levée de barre. Sinon, ils doivent de nouveau attendre 4 ans pour avoir la chance d'éventuellement choper une médaille. C'est Voilà, fou, hein. tu vois, tu vois, c'est, tu vois la natation, quoi. Tu vois ces types qui voient que du carrelage bleu toute leur vie. C'est la première épreuve où, en général, c'est la première semaine des Jeux Olympiques, et puis tu les vois, ils sont la deuxième semaine d'Olympiade, ils sont dans le village, et tu vois qu'ils se laissent vraiment aller parce que tu sens vraiment le poids de cet entraînement pendant 4 ans, de cette pression, voilà, qui nous, évidemment, ne nous atteint pas de la même façon. On a 40 tournois à jouer dans la saison, et voilà, la signification de ces Jeux Olympiques est sans doute fort différente pour la majorité des sports qui sont moins médiatisés, à part les championnats du monde, voilà, à part 2 semaines dans l'année. Donc voilà, et nous, ça nous permet en fin de compte de se rendre compte de l'énorme chance qu'on a de réussir à quand même gagner notre vie d'une façon assez conséquente. Sans se faire autant violence que la majorité des athlètes pour certains sports, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que la natation, ça peut être 4 ans de travail pour 10 secondes. 10 secondes dans la piscine, aux Jeux Olympiques, c'est assez impressionnant. Nicolas, on a des personnes qui te remercient énormément. Il y a des personnes qui disent quel bonheur de partager ce moment. Marc-Antoine Normand qui dit ils sont magiques, c'est belge. Vraiment, un grand merci à toutes les personnes qui sont connectées, qui sont en train de commenter, qui remercient Nicolas de partager toutes ses expériences avec nous. Venons un petit peu, revenons sur le circuit européen. Nicolas, si tu le veux bien, dernièrement, ta victoire à l'Open de France 2019, j'ai eu l'énorme chance de te croiser au Turkish Airlines Open quelques semaines après un tournoi du Rolex Series. Quand tu commences la semaine à l'Open de France, tu n'étais pas sûr de garder ta carte pour l'année d'après. Tu échangeais avec moi quelques mots au Turkish Airlines Open, tu m'as expliqué un petit peu ce qui s'est passé pendant ces plusieurs semaines avant l'Open de France. Donc cette victoire qui était absolument incroyable, il faut savoir pour les personnes qui nous regardent que Nicolas, la semaine d'avant à l'Open d'Italie, il était sur le parcours et puis les choses se passaient vraiment pas comme il voulait. Et en fait, ce que je trouve intéressant, Nicolas, c'est de partager en fait ton expérience sur le moment où tu passes d'une semaine à l'Open d'Italie où ça ne se passe pas exactement comme tu veux. Et la semaine d'après, tu es vainqueur sur le Tour européen en une semaine. Enfin, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous parler de comment toi, en tant que champion, tu as vécu ces 2 semaines et comment justement tu as fait pour arriver au national et être vainqueur à la fin? Alors c'est marrant, tout à l'heure Vincent faisait bonjour. Vincent a toujours dit, Nicolas est un petit peu comme un phénix. Quand il est Rise of the Phoenix. dos au mur, voilà, il y a toujours quelque chose qui peut éventuellement se passer. Mais c'est vrai que j'ai vécu quelques semaines un petit peu difficiles avant ce fameux Open de France. Voilà, avant l'Italie, voilà, c'est un petit peu plus un brouillard pour moi, je me souviens plus très très bien. Mais c'est vrai que bah, l'Italie, c'était le dernier gros tournoi de la saison. Voilà, c'était le dernier Rolex avant ces Final Series. Voilà, le dernier tournoi où il y a vraiment moyen de sécuriser sa carte à ce moment-là, parce que moi je suis genre aux alentours de la 120, 125e place et je fais une bonne journée le samedi.
qui me remet un petit peu dans la course, et je pense que je dois être aux alentours de la 20e place. Ou, voilà. Et donc je pense qu'une 20e place me suffit pour garder ma carte. On le rappelle que c'est les 115, 117 premiers de l'année Ouais, sur le c'est ça, circuit oui. européen qui gardent leur carte pour l'année Ouais. suivante. Et à ce moment-là, tu n'es pas dans les 115, 117 à Exact, l'Open de ouais. France. Ouais. Et donc je sais que cette journée de dimanche est assez importante et je la commence un peu bof, ça se met pas terrible. Et puis sur le retour, là c'est vraiment le trou noir complet. Et je me souviens être sur le fairway du 15 avec Brian et j'ai quasi les larmes aux yeux et je suis presque dans ses bras. Il a presque quasi dû me porter sur ce fairway du 15 parce que j'en voyais pas le bout. J'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait, de jouer suffisamment bien pour à ce moment-là juste garder ma carte et peut-être même mieux. Ce qui a été le cas la semaine d'après, mais vraiment un moment super dur. Et puis après, évidemment, prendre ma caisse de Rome pour rentrer jusque chez moi. Enfin, c'était vraiment l'enfer, quoi. Parce que c'est pas loin finalement, l'Italie, Monaco, c'est enfin, la Ouais, France. donc, enfin, ouais, prendre ma caisse jusqu'à l'aéroport parce que j'ai quand même pris Ah, l'avion, pardon, mais pardon, voilà, excuse-moi. vraiment, enfin, ouais, c'est Je vrai, pensais moi, peut-être à que tu l'époque, c'était Milan, rentrais. c'était plus facile, c'est vrai, mais voilà, je suis dans ma caisse pour aller vers l'aéroport et je suis quasi en pleurs, quoi. Je sais pas comment je vais m'en sortir parce que tout est là, tous les ingrédients sont là pour continuer à tirer mon épingle du jeu et ça se met vraiment pas, quoi. Donc, et puis voilà, je sais pas ce qui se passe. Et en plus, ma semaine de l'Open de France ne commence pas bien parce que moi, je prends l'avion le mardi et donc je fais Nice-Paris. Donc, évidemment, je fais Nice-Orly. Et en plein vol, je sais pas, j'ai mes écouteurs et j'ai l'impression d'entendre Charles de Gaulle. Donc, je fais pas trop gaffe. Je me dis qu'après 20 ans de carrière, c'est quand même pas moi qui ai réussi à monter dans un mauvais avion avec les Tchèques qui mélangent. C'est quand même pas possible. Et en arrivant sur le tarmac, j'allume mon téléphone et je me rends compte qu'on a Charles de Gaulle. Donc, de là, à commencer à appeler pour avoir la voiture, truc, voilà. Et ça m'a pas chamboulé plus que ça, quoi. Dans une période assez noire où j'aurais pu trouver n'importe quel alibi pour que ce soit pas ma faute ou que ce soit pas machin ou voilà le truc, ça m'a pas vraiment trop chipoté plus que ça. Et puis j'ai vécu une semaine de l'Open de France qui s'est vraiment passée voilà, comme sur un nuage du mardi soir jusqu'au dimanche soir et puis plus encore. Il y a un switch qui se fait à ce moment-là. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand le mardi, tu dis tout d'un coup, ça se passe comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe en fait entre le dimanche en Italie où t'es en larmes et 2 jours après où là, tout d'un coup, enfin, tu vois, Bah, il y a un j'ai presque déclic? même l'impression que ça s'explique pas. Voilà, quand on a plus de X Ah tournois merde. à son CV, on les avale un peu les unes après les autres. On n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelque chose qui se fasse même inconsciemment pour que ça change la donne. Et c'est vrai qu'en regardant un peu de la façon dont cette semaine s'est passée, je l'ai prise assez légèrement, et beaucoup plus légèrement, que quelque part la situation de stress dans laquelle j'étais pouvait laisser imaginer. J'ai fait mes tours d'entraînement, j'ai fait mon 9 trous tranquille le mardi. Je me souviens avoir passé 20 minutes dans un bunker avec, j'ai oublié son nom, mais c'est un des membres de l'équipe nationale, enfin un de vos boys qui jouait, qui est le seul Coréen d'ailleurs. J'ai oublié son nom, il va m'en vouloir, mais donc je suis passé 20 minutes dans un bunker avec lui à lui expliquer la sortie de bunker. Donc, voilà, je me suis pas mis des barrières à essayer de dire qu'il faut absolument cette semaine que je fasse tout bien, machin, truc. Je l'ai vécu comme une autre semaine voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Thomas Levé. J'ai discuté avec Thomas Levé, avec son, dans le Players Lounge le mardi ou le mercredi, comme si je l'avais pas vu depuis 10 ans. Et tout allait bien pour moi, quoi. Donc, il y a vraiment des choses assez étonnantes qui sont passées cette semaine-là, qui ont fait que j'étais bouffé avec Thomas Bjørn le mardi ou le mercredi, qui m'a conseillé de lire un bouquin que j'ai acheté en audiobook et que j'écoutais tous les matins. C'est Enfin, vrai? donc voilà, Tu peux il y a eu pas mal de. partager ce bouquin-là avec nous ou pas? Ou tu préfères que ça Alors, c'est un soit. truc. Non, non, pas du tout. Enfin, rien à foutre. Non,
c'est Non, mais au cas où je dors, donc c'est ça. non, pas du tout, non, c'est un bouquin qui s'appelle The Chimp Paradox. D'accord. Et donc en fait, donc ce bouquin, cet audiobook dure, je sais pas, 6, 7 ou 8 heures, et au bout de 20 ou 30 minutes, ça a fait tilt chez moi pour pas mal de trucs, quoi. Voilà, les angoisses, le machin, les choses que tu peux gérer, les éléments extérieurs que tu peux gérer ou pas. Toujours ta petite voix ici à l'intérieur qui te dit, oui, attention, il y a de l'eau à gauche. Donc voilà, ça m'a permis de gérer, de me gérer d'une façon peut-être un petit peu plus sereine sur l'adversité à laquelle je faisais face cette semaine-là. Voilà, il restait cette semaine-là, et il restait le Portugal la semaine d'après. Évidemment, au plus tôt possible, tu sécurises ta carte au mieux. Donc, j'avais pas trop envie d'aller aller au Portugal et d'être dans l'obligation de faire une grosse perf, parce que ça peut très bien se passer comme ça peut très très mal se passer. Et voilà, Dieu sait où j'aurais été maintenant, quoi. Donc finalement, tu vois, Nicolas, tu dis, ouais, cette semaine-là, c'était une semaine comme une autre, mais tu vois, en creusant un petit peu, tu réalises qu'il y a des petites choses comme, des fois, c'est le déclic d'une routine matinale, tu vois, comme écouter un audiobook qui est en quelque sorte un petit peu sur le développement personnel ou sur le mental, en psychologie, enfin bref. Et le talent est toujours là, la semaine d'avant, la semaine d'après, le talentueux Nicolas Colsart n'a pas changé, c'est des fois, c'est un tout petit truc qui peut faire la différence. Je me rappelle la semaine dernière, je ne sais plus quel joueur c'était qui avait parlé d'une victoire qu'il avait eue sur le circuit. Et il avait dit, le mercredi soir, j'étais au practice et j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé juste un truc, un déclic sur lequel je me suis appuyé tout au long de la semaine. Et c'est ça qui m'a permis en fait de gagner, alors que le mercredi et les semaines avant, il était trou noir, quoi. C'était ce que tu décrivais. Ouais, ou autant que voilà, il peut arriver qu'on fasse 64 en n'encrochetant pas une practice en s'échauffant. C'est ça, c'est Voilà, ça. il faut jamais oublier cette différence entre voilà, échauffement et arriver sur le parcours. Voilà, il arrive souvent qu'il y ait plein de types qui arrivent en semaine de tournoi le mardi, le mercredi. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui les dérange. Et puis, voilà, comme tu dis, il y a un truc qui se passe. Et le jeudi, une fois que c'est parti, c'est parti. Il suffit, voilà, il suffit que. Il peut parfois suffire que d'un seul coup Pour te remettre en... Ouais. pour renverser la vapeur. Et donc voilà, on a cette chance et cette malchance. De faire un sport où un coup peut avoir de grosses répercussions dans un sens comme dans l'autre. C'est fou, hein. C'est dingue ce sport comme ça, contrairement aux autres sports. C'est vrai que Ouais, le mais on parle golf... pas, m'en parle pas, s'il te plaît, m'en parle pas. M'en parle pas. Alors, il y a Elisabeth Kellas qui est là, qui dit, peut-il redonner le nom du bouquin? Il y a plusieurs personnes qui demandent, en fait, parce que c'est vrai que tu l'as dit assez rapidement, mais pour les personnes à qui ça intéresse, il y a pas mal de coachs qui sont là. Est-ce que tu peux juste redonner rapidement le nom du bouquin pour que les gens puissent le noter? Alors, ça s'appelle The Chimp Paradox. The Et Chimp, ouais. ça se trouve partout. Donc, je ne sais pas si c'est traduit, mais d'ailleurs, Elisabeth était là la semaine de l'Open de France. Je sais qu'elle a marché. Elle a marché pas mal de parties. Je ne sais pas exactement combien de parties elle a suivi, mais elle a vécu ça d'assez près. Voilà. Petite bise à Elisabeth quand même. Elisabeth, au passage, ouais, qui est là, qui en remercie toutes les personnes qui sont toujours là depuis le début. On est la même audience depuis la première minute du live jusqu'à maintenant. Nicolas, les personnes sont toujours là, connectées. Ils te disent un immense bravo pour avoir partagé tous ces incroyables moments avec nous. Un grand champion qui partage toutes ces expériences. Nicolas, si tu pourrais sélectionner, je sais pas moi, on en a parlé des moments importants, mais les moments qui émotionnellement étaient le plus forts dans ta carrière, tu en as connu pas mal. Quels ont été le un ou deux moments pour toi personnellement qui te viennent à l'esprit? Moi, bon, on va rester sur les doigts de la main, hein. Moi, le premier, ma première grosse semaine qui m'a marqué, ça reste ce trophée Lancôme en 2003, où j'ai failli aller au bout, et c'est quelque part un peu mon introduction au public français. Donc ça reste un de mes gros souvenirs, évidemment. Il y a évidemment, ma victoire en Chine, loin de tout le monde, mais un énorme soulagement voilà, d'avoir gagné quand même à moins 24, voilà, d'avoir flyé toute la semaine avec mon caddie qui fête ses 40 ans le dimanche, donc double cadeau.
Évidemment, la victoire au championnat du monde match play à Finca, où j'avais fait où j'avais perdu en demi l'année d'avant contre Poulter, qui lui avait gagné l'année d'avant. Où je me suis fait un méchant tableau de chasse quand même, avec mes parents qui étaient là. Donc voilà, quelques larmes de joie le dimanche. Et puis évidemment cette rider qui moi reste voilà quelque chose que je voulais vivre pour X et Y raisons, et de l'avoir et que ce soit quelque chose qui soit resté dans la mémoire des gens, et quelque chose qui moi me rend super fier, en plus d'avoir pris Woods comme ça le premier jour, bon même si je jouais avec Westwood, mais bon on lui a fait qu'un seul Oui, il y a une trou, personne d'ailleurs hein, qui a posé donc la question, voilà. qui a dit qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, je vais juste remonter pour voir comment tu te sens au départ du 1 de la Ryder Cup quand tu joues contre Tiger? Comment as-tu géré ce moment? Donc, tu vois, tu parles de Tiger, c'est une personne a posé la question juste avant. C'est marrant. Alors le départ du 1, c'est pas nécessairement par rapport à Woods, c'est juste par rapport à la taille de l'événement, voilà, parce que c'est fait, voilà, la presse parle de cette rider depuis que les équipes sont faites 3 semaines avant, donc voilà, il y a un énorme build-up qui fait que ce départ du 1 est un moment assez unique, voilà, on l'a vu au National cette année, hein, je veux dire, si on demande à la majorité des gens s'ils avaient été capables de taper un coup de bois sur le départ du 1 avec la taille de cette tribune derrière, je pense que la majorité aurait préféré rester sur leur petit siège tranquille à regarder les autres le faire. Mais voilà, y a les genoux qui tremblent, les mains qui tremblent. Moi, je voyais la balle floue. Donc, Ah ouais. Alors voilà, ouais, non, non, c'est c'est l'enfer. incroyable ça. Ouais, c'est parce que Non, c'est l'enfer. plusieurs joueurs C'est le l'enfer. décrivent comme ça, le départ du 1 d'une Ryder Cup. Il y a souvent plusieurs joueurs qui disent la balle est floue, tu sens plus tes, enfin tu vois, t'as les mains qui tremblent et tout ça. C'est complètement dingue quand même. Alors, du coup, il y a même des joueurs qui Ouais, disent on surtout, veut ça juste se passe comme la. ça. Ouais, c'est Ça se ça. passe comme ça. En l'espace d'une milliseconde, on perd tout à fait contrôle de ses émotions et de ses moyens, quoi. Donc, moi, je me voyais faire 50 mètres. C'est ça, il y a des joueurs qui le disent, ça. Je veux juste me Ouais. faire décoller la balle. Enfin, je vais juste, à partir du moment où mon premier Ah non, shot le est but, c'est parti. faire contact. Il faut Ouais, faire c'est contact. ça. C'est le seul truc qu'il faut faire. Il faut faire contact. Et là, il y a gauche, à droite, on s'en fout. Mais moi, voilà, moi, je me voyais taper un drive de 400 mètres au 1 tellement, tellement t'es. Voilà, il est là. Et en plus, tu joues Woods, qui est juste à côté de toi. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde. Quand je regarde d'où je viens, quand je regarde mon histoire et que je me retrouve sous le titre du 1 d'une rider à jouer mon premier match contre Woods, je veux dire, c'est vraiment un cadeau du ciel, quoi. Waouh, c'est ouais. J'adore la description à chaque fois parce que on a l'incroyable chance de justement parler à des champions comme toi et qui ont vécu la Ryder Cup et de fait de décrire que la balle est floue et que la seule pensée à ce moment-là pour un champion multiple vainqueur sur le circuit qui est juste, je veux juste qu'elle parte la balle, je veux faire contact. C'est assez impressionnant. C'est pour montrer que finalement même ces événements-là, on est porté par l'émotion et puis difficile à contrôler pendant quelques secondes. C'est comme tu dis, ça dure pas longtemps. C'est après tu Ouais, mais reprends, bon, tu ça veut reviens. dire quelque chose d'autre, même. Ça veut dire que, en fait, que même quand tu mets tous ces champions sous le titre du 1, tout le monde est quelque part égal à ce moment-là, et tout le monde met son ego de côté, quoi, en fait. Ouais. Tout le monde est pris par la taille de l'événement, et voilà, comme je disais, ça arrive vraiment en une milliseconde, mais voilà, quand ça se passe bien, c'est 100 fois plus jouissif, évidemment, quoi. Alors, il y a Vanessa Pellegrino qui dit toujours agréable de suivre ton parcours. Il y a une autre personne qui commente qui dit salut Nico et merci de nous faire rêver. Ta présence en ces moments de confinement font beaucoup de bien. Jérôme Cipollina qui dit merci beaucoup pour le live. Il y a une autre personne qui dit, alors je vais bien lire le commentaire, qui dit 32 ans de golf dans notre plat pays bercé par tes exploits, ton talent, ta sincérité, tu nous motives, nous donnes l'envie du jeu. Bravo, continue et belle vie à toi et à ta famille. Donc tu vois, voilà, vraiment des personnes Ouais, qui te c'est gentil. soutiennent, qui sont Et puis là. Vanessa Panigrino, j'ai même été à l'école avec elle. Ça fait C'est vrai? depuis, je pense, ouais, ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu, mais c'est vrai qu'on a été à la même école En fait, il n'y a que des chez Rémi personnes que tu Bogart connais à là. Bruxelles. C'est que des Mais amis tu à sais, la toi. Belgique, c'est un village. Comparé à chez vous, la Belgique, c'est vraiment un village. Tout le monde se connaît. Alors, écoute, on est comme l'a dit tout à l'heure une personne, on est cousins dans la France et la Belgique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, un grand merci à Vincent, ton agent, qui nous permet de faire vivre ces moments-là. Et puis, on aura l'occasion aussi d'être jeudi avec un ami à toi. Comment tu vois justement, peut-être pour juste finir ce live,
l'avenir du golf en Belgique avec justement ces joueurs qui suivent ton parcours, qui te regardent comme de l'inspiration? Est-ce que toi, tu les aides? Comment est ton rôle là-dedans par rapport à ces jeunes joueurs belges? Alors bon, maintenant à l'heure actuelle, c'est plus vraiment le cas parce que voilà, les deux Thomas, Peter et Dautry, commencent à vraiment, enfin ont vraiment bien pris leur marque depuis quelques années. Peter, ça a quand même joué cette Ryder Cup aussi à Hazeltine, voilà, ce qui était complètement incroyable et impensable pour un petit pays comme le nôtre en l'espace de 4 ans de temps ou de 6 ans de temps, avoir deux représentants en Ryder Cup. Et Thomas Dautry est tout à fait capable de réaliser cet exploit-là aussi. Voilà, c'est vrai que quand j'étais le seul Belge sur le circuit pendant plus de 10 ans, ils m'ont tous regardé d'une façon différente que maintenant. Quand ils ont débarqué sur le circuit, j'ai essayé d'apporter un peu les conseils judicieux que n'importe quel jeune a quelque part besoin quand il débarque sur le circuit pour que leur apprentissage se fasse plus rapidement que ça a été pour moi. Mais voilà, je ne peux pas être plus supporter que la majorité du public belge à leur égard parce qu'ils sont tous les deux super cool, ils jouent tous les deux super bien, on s'entend assez bien tous les trois, on a tous les trois des personnalités différentes, on a le même coach de putting qui est Jérôme Tennis, donc on passe quand même pas mal de temps ensemble et voilà. Je pense que le golf belge est entre de super bonnes mains. Voilà, moi, je sais pas combien d'années je vais encore réussir à en tirer, mais voilà, il y a encore deux autres jeunes après eux qui sont aux États-Unis dans des universités qui risquent un moment d'éclore dans les années qui viennent. Donc voilà, pour un petit pays comme le nôtre, voilà, on se compare toujours à des pays semblables au nôtre, que ce soit par exemple la Hollande qui même avoir produit quelques très bons joueurs sur le circuit européen, n'ont jamais joué au Ryder Cup. Donc je pense que quelque part, on peut être fier de ce qu'on a réalisé sur les 10-15 dernières années. Ah non, mais plus que fier. Enfin, tu sais, même pour nous, en tant que Français, enfin, tu vois, quand on voit la réussite d'un pays cousin, enfin, tu vois, quand je te vois à la Ryder Cup en 2012, enfin, tu vois, c'est une grande fierté aussi, tu vois, pour nous Français. Donc, tu vois, au-delà des pays, enfin, tu vois, c'est toujours fantastique. Je relis quelques commentaires pour terminer, là, Nicolas. Il y a Jean-Philippe Prince qui dit tellement sympa, on comprend pourquoi tous les Français l'aiment. Un bien joli trio de champions. Un autre commentaire, un petit coucou de la part du golf de Bourbon à La Réunion. Une autre personne qui dit Nicolas, super mec. Mimouche qui dit on est tous derrière toi. Une personne de la Belgique qui dit bonjour du Sartilman. J'espère que je l'ai bien dit. Certainement, Tirement, pardon. qui est le golf royal de Liège, qui est un magnifique endroit d'ailleurs, où Ouais. j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs. Et d'ailleurs, petit conseil pour vous les Français, si un jour vous voulez faire une bonne fête, vous allez à Liège. Parce qu'à Liège, ils sont quand même vraiment, vraiment cool. C'est de loin les plus cool et les plus joviaux qu'on a chez nous. Donc, ouais, une bise à mes amis liégeois. Ouais. Tu sais, ce qui est génial aussi, Nicolas, c'est qu'il y a deux, trois personnes qui commentent en disant, parce que tu sais, souvent, ce qui est cool, c'est de, parce que les gens voient à quel point tu es sympathique là. Et puis moi, ce que je peux confirmer, c'est que puisqu'on se connaît en off, c'est toujours génial quand tu vois une personne qui est pareille en off que lorsque tu la vois en vidéo ou tu vois, que ce soit à travers ce live ou en Turquie quand on s'est vu et qu'en l'espace, je t'ai croisé, je t'ai dit, tiens, Nicolas, tu as 2 minutes et tu m'as dit, ouais, carrément, on y va. Et tu, 5 minutes après, boum, on avait fait une vidéo. Enfin, cette gentillesse que tu as à chaque fois. Et puis il y a une personne qui dit, Pierre-Gilles, toujours très agréable de te voir avec ton pote Quentin à Canemougins, tu es un mec super. Une autre personne qui dit, merci Nicolas pour la sympathie avec Filippo, un joueur de mon team Elite Suisse. Tu vois, Frédéric Ouais. Dauchet, qui est un ami, Frédéric Dauchet, que tu dois connaître aussi, qui est un ami pro. Donc, tu vois, donc voilà, encore une fois, un énorme merci à toi. Tu vois, ça fait presque 1 heure qu'on est en live et on va s'arrêter là-dessus parce que je sais que voilà, tu as évidemment d'autres choses à faire que d'être avec ça. Mais en tout Ouais, cas, je sais, il y a mon petit garçon de 2 ans qui ouais, veut c'est faire ça, il y la a le petit sieste. Non, garçon mais qui. voilà, pour répondre vite fait un peu à tous ces compliments qui viennent de toutes parts, voilà, parce que je sais que mes parents regardent, c'est surtout eux qui doivent être fiers quand ils voient leur fils réussir
ce qu'il a pu réussir dans sa carrière, mais surtout en tant que personne, quand il est apprécié, je pense à sa juste valeur, je pense que ça l'est rempli de bonheur. Et à mon avis, il y a ma mère qui va verser une petite larme à cet instant-là. Bon, en tout cas, Nicolas, de faire un retour en arrière sur tes plus beaux moments et de surtout de les vivre à l'intérieur grâce à tes mots, ton expérience, de nous faire profiter de tout ça, je trouve ça juste incroyable. Et merci à la technologie de nous faire vivre aussi ces moments à distance à travers ce confinement qu'on respecte tous. Et puis encore une fois, un grand merci à Vincent pour nous faire venir cette semaine, pour nous faire vivre les joueurs belges à l'intérieur des cordes en quelque sorte, où on a l'occasion de vous poser des questions. On est très fiers de vous avoir avec nous. Et juste reste en off avec moi 2-3 secondes, je vais terminer le live et on va finir ensemble sur Skype. Mais pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ont commenté, Nicolas, voilà, je sais qu'il vous a dit quelques remerciements. À mon tour de vous remercier aussi. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'avoir Rémi Bédu à 17h en Facebook Live. Moi, jeudi, n'oubliez pas, je serai accompagné d'un autre joueur belge, Thomas Détry. Et demain, à 17h, je serai avec Pauline Roussin-Bouchard, qui est la numéro 1 mondiale amateur. Donc, on rentrera aussi à l'intérieur des cordes, savoir exactement ce qui lui a permis finalement de devenir numéro un mondial. J'adore une question qu'on a posée à Pauline récemment que j'ai vue à la télé et je pense que c'est pareil pour toi Nicolas. On lui a posé la question qui est votre on lui a posé la question c'était qui est votre coach et elle a dit j'ai pas I don't have one coach but I have one team. Je n'ai pas un coach mais j'ai une équipe. Donc qui est en anglais. Et je sais que toi, voilà, quand on voit les personnes qui sont tous autour de toi, que ce soit tes parents, ton agent, tes coachs, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais on peut les remercier aussi. C'est toute une équipe finalement qui participe au succès d'un joueur. Alors, en ce qui me concerne, voilà, comme je l'ai souvent dit, venant d'un petit pays, il a fallu qu'on pioche un peu des informations à gauche et à droite. J'ai beaucoup de chance de tomber sur Michel Van Merbeek quand j'étais tout gamin. La première fois que je l'ai vu, j'avais 9 ans, et on est toujours ensemble à l'heure actuelle. J'ai grandi avec Jérôme Tennis, qui est mon meilleur pote depuis qu'on a presque 10 ans, 12 ans. Vincent a joué un rôle aussi incroyable à une certaine période de ma vie. Voilà, tout le monde apporte sa pièce à l'édifice. Tout le monde n'est pas avare de partager ses expériences. On discute beaucoup de certaines choses, même si je peux être assez têtu et borné comme n'importe quel sportif d'un sport individuel. Voilà, je sais qu'en général, quand ils amènent une information à table, ça part évidemment dans mon sentiment et qu'il y a une certaine recherche qui a été faite. Et voilà, et on le voit chez pas mal de joueurs français aussi. Voilà, depuis un petit bout de temps, ils essayent un peu de trouver des informations à gauche et à droite. On va dire, et ce qui est, je pense, une des grosses raisons pour laquelle vous commencez à avoir des super bons résultats maintenant aussi. Top. Nico, reste avec moi deux petites secondes. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce live. Un grand, grand merci encore une fois à Nicolas. Et puis on se dit à tout à l'heure pour le prochain live 17h avec Rémi Bédu. À très, très vite. Ciao. Ciao.